Vous êtes la grande famille des coopérateurs qui est présent, tout bas distingués invités. Bonjour. Il fait moi toujours un grand plaisir pour bien, surtout dans ma fonction, avant tout, vous dire, qui est organisée à l'occasion de ma journée internationale qui est décrétée par Nations Unies. D'ailleurs, récemment, nous avons célébré la journée internationale pour les officiers du service public. Et aujourd'hui, donc, nous, avec la grande famille de coopérateurs, pour sa journée qui est non comme thème, coopérative, construire un meilleur avenir pour tout le monde. Et ça, thème-là, l'est effectivement cadré avec nos visions. Vision qui, mon gouvernement, est là. Parce que le mouvement de la coopérative, depuis des années, il contribue énormément au développement de nos pays. Fin contribuer pour qu'il y ait une famille, et comme Madame la ministre même, qui me dit elle-même, quand même, lié avec sa famille, membre d'une coopérative, lui fin bénéficier de l'unité, la force, l'énergie qui nous tout met ensemble pour nous capables mieux avancer. Et c'est pourquoi qui vos présences aujourd'hui et aussi pour donner tout l'encouragement à ce secteur-là. Vous êtes un secteur qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup, comment nous dire, beaucoup de quelque chose qui vient s'y remonter. Mais l'objectif de mon gouvernement, c'est qu'il nous fait tout ce qui est possible pour le secteur coopératif plus solide et plus résilient surtout. Et ça vaut résilience, ça dit important. Parce que ce qui là, je connais, et là, vous connaissez surtout, parce que vous connaissez là, ça vous montre là, beaucoup de monde qui maintenant, avec l'âge, avec l'expérience, je témoigne de ben changement que le monde peut connaître. Des années de cela, quand j'ai commencé, et ce qui était aujourd'hui, situation bien changée, bien évoluée. Mais, ce qui est intéressant pour le pays, pour l'histoire, pour dire, ce qui est intéressant pour le pays, c'est que ce n'est que récemment que le monde entier puisse reconnaître la valeur et l'importance des mouvements coopératifs. Nous, à Maurice, depuis bien longtemps, nous venons prendre conscience de sa facteur-là et le système coopératif qui existait dans nos pays bien avant qu'il reste du monde. Quand vous dites les restes du monde, quand la majorité des pays dans les restes du monde, ils comprennent, ils adaptent, ils adoptent les systèmes coopératifs. Alors nous, nous sommes fiers que la première coopérative Maurice est créée, puisqu'il s'entend de cela. Et d'ailleurs, il y a trois sociétés coopératives, dans les autres, des amants centenaires. Quand nous pouvons offrir un cadeau et nous pouvons offrir un chiffre aussi, pour marquer ça, cet événement-là, le fait qu'ils ont gagné 100 ans. Extraordinaire ça, 100 ans d'existence. Il y a Medin Candemas Cooperative Credit Society qui trouve à Montida. Il s'est enregistré en 1914
Donc ça veut dire 110 ans de cela. L'hiver, plantation calme, donc environ 1100 arbres et compte 260 membres. Et dans la ferme Saint-Martin, Marketing Cooperative Society Limited, qui trouve à Saint-Martin, l'édition enregistrée en 1919. Et tu commences avec plantation au maïs, plantation calme, mais aujourd'hui, il y a 73 membres qui occupent une quarantaine d'arbres, donc ils se plantent ben, légumes, fruits et fleurs. Et troisième, il y a Fonds du Sac Cooperative Credit Society, qui trouve à Upper Bill. Ils y ont enregistré en 1913. Ils ont dit, m'ont informé qu'il y a 209 membres et mon apprend qu'ils ont récolté environ 4158 tonnes de calme la saison dernière. Donc, ça les a démontré la preuve qui c'est une activité économique qui est viable, qui va durer dans le temps. Et bien sûr, elle mérite le support, elle mérite de l'attention, pour être capable de continuer encore d'améliorer notre qualité de vie pour eux-mêmes, avant tout, mais vous aussi contribuer au l'avancement de nos pays. Alors, pourquoi quoi vous êtes dans l'histoire quand une ben, première société qui crée a triolé en 1913. Mais laisse-moi dire une ben, affaire qui vous pensez qui affecte les autres même dans notre activité économique. Un coopérateur nous connaît qui peine suffisamment de moyens, surtout quand nous causons moyens, nous causons finances. Et qui, d'ailleurs, c'est la raison qui fait le système même, vous voyez, qui nous gagne autant de monde qui vit ensemble, qui est capable de contribuer, et aussi dépendant bien sûr de l'environnement dans qui ils ont évolué, gagnent autant de facilité. Vous êtes capable de faire une activité. Et pour moi, l'accès au financement est extrêmement important. L'accès au financement n'est pas seul facteur. Parce que quand nous faisons une activité économique, nous sommes bien sûr capables d'avoir l'accès au marché aussi. Peu importe si nous pouvons faire un produit, si nous pouvons faire une fabrication, si nous pouvons être à nous dire comment calme, dans le secteur calme qui nous connaît très bien, nous pouvons produire la calme, il faut des designers qui sont capables de processer sa calme-là, soit pour faire d'ici, soit pour faire les autres sous-produits ou les autres produits même. Mais nous connaissons qui dans le passé, pour gagner l'accès, pour gagner le financement. À l'époque, tu es un casseur. Si tu es un monde qui est disposé, oui, après tout l'argent, mais seulement dans une condition qui, au besoin de dire, bien onéreux. Et parfois même qui amène nous à tellement de dettes qui nous implique à continuer à faire ou activité. Alors, dans le passé, il y a une commission royale qui dit Bédiboud. Et sa commission royale, là, elle est là, qui recommande justement ben, une société coopérative capable de soulager un petit planter. Donc, nous faisons une longue semaine depuis ça, l'époque-là. Et quand le secteur coopératif prend son envol, tu commences avec secteur calme, je vous dis, vous êtes bien content qu'il me trouve une diversification extraordinaire. Comment
Madame la ministre India, dans chaque coin ou quoi de nos pays, nous connaissons une société qui lit dans le calme, qui lit dans la paix, qui lit dans la transformation et commerce de bons produits, qui lit dans l'élevage, bétail, transport public, facilité des paiements, crédit, produits artisanaux et combien d'autres encore. Et on me dit aujourd'hui, nous, le monde peut changer, nous peut évoluer d'une société coopérative qui est dans recyclage, et dans production de l'énergie et dans l'agriculture bio. Parce que, je vous dis, vous pensez, du monde plus conscient de protection de l'environnement. Alors nous, comme un gouvernement, on vous a dit qu'il avant décembre 2014, quand vous guettez, vous pas trop grande initiative qui t'y prend pour aider ce secteur-là. Mais bon, ça c'est le passé, ce qui pas le faire, pas le faire. Nous nous inquiétons qui nous peut faire et qui nous capable de faire en cause. Et moi, bien content qui, aujourd'hui, il y a 1390 sociétés qui sont impliquées dans diverses activités. Et comment Navina veut dire, il y a un total de 91 000 membres coopératives et dans 35 967 madame. Ça demande une grande satisfaction. Il n'est pas assez, nous devons continuer à faire des choses pour donner encore plus de motivation pour madame. Et pourquoi pas que existe pour le secteur coopératif. Moi, je l'ai. Pourquoi je connais moi assez, Aster. Premièrement, je connais qui respecte moi pour madame, avant tout. Mais bien dans cette question de respect, vous voulez que madame, ce qui veut dire être plus empowered. Vous voulez qu'il nous fasse des choses, que madame ait plus l'opportunité. Madame vous est capable, bien sûr, si vous souhaitez, faire une activité, travail. Nous sommes capables de donner ça au moins l'occasion là. Et moi, je suis bien content qu'en passant, on me dit, nous laissions au moins le nom de madame comme ministre au niveau du cabinet. Et donc, nous, Navina Rambiat comme ministre responsable, les autres ministres. Et nous sommes faire des choses qui nous continuent, parce que le secteur coopératif, c'est une façon pour démocratiser l'économie. C'est une façon, bien sûr, pour créer l'emploi, pour combattre la pauvreté, nous apporte, ben ce qui est dans l'agriculture, ben ce qui est dans l'apiculture, ben ce qui est dans la production de ben produits alimentaires, dit aussi une façon pour nous assurer une sécurité alimentaire. Alors, il est bon qu'il me dise à eux, depuis que nous, au gouvernement, nous revoyons le fonctionnement du ministère même. Parce que, comme je suis au courant, nous créons 12 centres régionaux et qui finissent regroupés en 5 Cooperative Business Centers qui peuvent agir maintenant comment un one-stop shop. Et ça va nous, Cooperative Business Centers, là, 5, on trouve à Paul-Louis, Rivière-du-Rempart, Saint-Pierre, Henrietta et Roosevelt. Et nous finissons une série de bonnes mesures pour réaliser plusieurs projets et mettre en place aussi des grand schemes pour redynamiser le secteur coopératif. Des grand schemes qui partent là avant ça. Je ne vais pas vous aller dans trop de détails, mais si je vous mentionne quelques-uns, vous comprenez qui nous peut causer. Nous, une société coopérative, l'éligible, je vous dis, nous gagnons 300 000 roupies cadeaux pour financement, l'équipement et machines agricoles
pour acheter pas de bétail ou encore pour tester et faire certifier notre produit. Nous avons notre scheme que soit un capri, mouton, pour gagner jusqu'à 200 000 roupies cadeau pour pouvoir construire ou moderniser un abri ou un animaux. Maintenant, Madame la ministre, une cause zéro budget natural farming, là aussi, il y a 200 000 roupies cadeau pour production de nutriments organiques et pour l'achat de vaches et pour construire un abri. Recyclage, encore une fois, jusqu'à 500 000 roupies pour financer 50% de l'achat de l'équipement et de véhicule. Alors, vous pouvez capable de mentionner encore, mais dans plusieurs de ces schemes-là, que donne un grand, jamais vous redire, ni sans précédent, ça grand, peut-être que donne une partie de l'argent cadeau pour aider notre société, au moins. Après, bien sûr, chacun est dans la peau et chacun, bien sûr, apporte notre contribution. Dans ce dit même, on a un award letter qui pourrait mettre à plusieurs sociétés qui peuvent bénéficier de ce grant-là. Et vous pouvez dire depuis 2020, il y a 263 sociétés coopératives qui finissent recevoir ce grand point de montant de 55 millions de roupies. Voilà les faits pour montrer qu'il ne faut pas venir nous faire un discours, nous poser. Et encore une fois, vous pouvez dire à tout le monde comme moi, si moi, comme moi, vous avez des affaires, je te connais, vous pouvez y aller. C'est pourquoi, vous pouvez voir s'il y a d'autres qui nous aident un travail qu'il peut faire actuellement. Vous pouvez dire, c'est un travail de réflexion. Madame la ministre, besoin de banque opérateur régulièrement. Et il y a un dialogue, parce qu'il y a ça, nous dirigeons. Nous, dans nous l'esprit, nous avons une vision, nous pensons ce qui, ce mouvement-là, bizarre, ce secteur-là, bizarre. Mais nous pas nécessairement qu'on tout quelque chose. Et nous pas nécessairement qu'on toute l'aspiration qui se fait là. Alors, il est bon qu'il nous, avec l'expérience qui se finit là, au fil des années, je dis à nous, bien sûr, premièrement, qui va un problème de faire face, qui va un défi de s'arrêter. Et nous, nous tenions ça, bien sûr, nous tenions ça en compte, pour nous capables d'élaborer encore à l'avenir les autres politiques, pour nous capables de continuer et de se. Et, pour qu'à dire, autres, il n'y a pas le ministère, et dans le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche, Faré, Small Planters, Small Farmers Welfare Fund, des biens avec qui nous travaillons justement, nous guider de manière nous capables de encore plus si beau. Un autre quelque chose qui me tient content de mentionner, qui est extrêmement important, et me dire ça pour ma coopérateur, vous autres comprenez sur l'importance. Je me dis qu'elle est là, le monde peut changer. Pas le monde peut changer, le monde finit changer. Mais nous ne sommes pas capables de rester avec les mêmes pratiques qui tiennent des années de cela et ne pas adapter nous. On va nous dire modernité. Un des quelque chose qui est important, c'est formation. Nous ne sommes pas capables de nous dire, mais oui, nous avons créé une coopérative, nous jouons ensemble, nous sommes capables même, si nous avons un financement nécessaire, mais pour faire cette activité-là, nous avons au moins une certaine connaissance. Et nous comprenons comment notre coopérateur, par eux-mêmes, pour aller gagner sa connaissance-là, n'est pas facile. Même voire impossible.
Ne serait-ce que maintenant, NUENA, le National Cooperative College, qui justement, on va répéter ce que Mme la ministre dit, extraordinaire ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas venir nous dire, mais voilà, c'est une école, à ce où choisir, voilà un cours qui nous dispense, voilà une formation qui nous dispense. Non. NUENA ou a besoin, NUENA ou demande, ou BOP est dans le secteur, ou des informations, nous faire des sortes qui nous gardent pour faire sa formation. Et moi, je vous fais un appel à une coopérateur. Qui fait vous dire ça? Mon cause est combien par une coopérateur? Vous connaissez un antibon, vous connaissez, mais ça là, je peux vous arriver là, comme quoi nous parlons quelque information. Vous gardez ce temps d'affaire et la lance pour capable de gagner connaissance. Et la lance pour capable de gagner formation. Moi, dans la responsabilité qui m'a là, vous gardez ce qui m'apprend tous les jours. Tous les jours, je m'apprends de nouveau quelque chose. Je fais des efforts aussi pour qu'on accomplisse parce que nous devons continuer à faire des choses qui nous augmentent nos connaissances pour nous être capables de faire face à un changement extraordinaire qui nous paye, qui les mondes peuvent connaître. Je vous dis, vous devez faire attention à vous dire ça, les mondes peuvent digitaliser. Les mondes peuvent digitaliser. Nous, combien parmi nous là, vous connaissez, qui est là, bien sûr, familier avec l'informatique. Mais quand nous avons nos bons enfants, par exemple, nous avons nos bons enfants qui manient les téléphones, les laptops, et ils vont nous faire bien vite, je vous dis. Mais moi, nous avons besoin de servir la technologie pour nous devenir plus efficients. Nous avons servi de technologie pour que ça, l'opération qui nous peut faire là, devienne plus simple, plus facile, devienne plus efficace et contribuer dans la profitabilité de nos activités. Il ne fallait pas nous dire, nous habitions. Bien sûr, nous avons écrit, nous avons mis dans le livre, nous avons mais bizarre, fait de manière qui ne pas, par exemple, pas perdre autant de temps. Par exemple, nous avons une piste simple. Et c'est pourquoi qui nous bizarre adapter nous avec le monde moderne. Et c'est pourquoi je dis à tout bon coopérateur, elle prend l'avantage de tout ce van scheme qui est là, de faire van poser, prend l'avantage de van formation, prend l'avantage de la manière qui nous a continué, modernise l'opération, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons, on va dire, un grand défi qui nous a élevé. Le monde, on trouve qu'il peut arriver ailleurs. Vous trouvez, nous ne faisons pas passeport du tout, nous ne passons pas une situation de Covid, une pandémie, qui nous met à zéro. Vous connaissez quand vous pouvez dire, quand vous pouvez dire à l'époque que l'économie est à zéro, et là, tu peux ricaner. Mais les autres ricaner, moi. Seulement, moi, je cause la vérité. Quand c'est qui peut arriver, je vous dis où c'est qui peut arriver. Vous connaissez ce qui peut arriver. Nous tirons nous, mais seulement vous bien contents et vous bien fiers, avec bien sûr, pour de mettre la population, pour de mettre tout, nous pouvons relever, nous pouvons bien relever. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis ça, une institution internationale comme un Fonds monétaire international dire que l'économie peut bien répondre et il me félicite. Alors, pas de défi qui nous est là. Nous nous qui manière la guerre qui éclatait dans l'Ukraine, qui manière déraille la scène de production dans le monde. Problème qui est dans la Palestine.
dans l'Afrique même, côté de Manou, c'est-à-dire Manou, ressources naturelles qui servent pour production dans le monde, on peut trouver stabilité, on peut trouver coup d'État, on peut trouver une frontière fermée, on peut trouver l'exploitation par des fers. En plus de ça, nous gagnons le changement climatique qui peut affecter le monde entier, qui peut affecter la production. Et nous, comme l'île, combien de choses qui nous a importé matières premières, combien de choses qui nous a importé même pour nous mettre dans nos chaînes de fabrication, et combien de choses qu'on nous a importé, ils viennent par un transport comment maritime, beaucoup viennent, surtout en matière première, aérien aussi bien sûr, par avion, mais transport maritime. Et de tout, vous espérez que vous pouvez trouver qui est stabilité, insécurité pénale dans ce qu'on appelle la mer Rouge, quand le bateau habité passe facilement et plus près, et coûte moins cher, pour qu'on puisse acheminer la matière première qui nous servit là, ici. Aster peut bien faire des tours, mais coûte plus cher, frais qui peut augmenter. Donc, vous voyez, on a trop long en détail, et pour dire tout ça, ben, défi, tout ça, ben, problème à qui nous avons fait face. Donc, vous dire, nous, pour terminer, vous dire, nous continuer, premièrement, nous continuer dialogue, nous continuer être en contact, et nous, comme un gouvernement, nous avons ici à eux, comment je vais trouver dans le premier secteur, le premier quelque chose qui nous fait faire. Et là, il y a du monde qui dit ouais, coûte la vie nous prend. Oui, ça veut nous dire non. Ça veut nous dire le gouvernement, ça veut nous dire le contraire. Mais, du monde peut trouver qui va nous mesurer, qui va nous assir, qui va nous support, qui nous peut donner, toutes les catégories de la population. Et donc, le mouvement coopératif, vous êtes capable de contrôler nous. Nous pouvons continuer à faire des choses qui, ça, secteur-là, continuer à jouer un grand rôle. Et comment Mme la ministre nous donne un chiffre tout à l'heure là, notre contribution, chacun dans notre capable de dire un petit guide, mais quand nous prend tout le mouvement, quand nous prend ce secteur-là, notre contribution dans l'économie est extrêmement importante, est énorme. Et c'est pourquoi vous dire, en sa journée internationale des coopératives là, vous dire de continuer contre l'ONU comme un gouvernement et bien sûr vous souhaitez plein de succès, bon travail. Vous connaissez les affaires, moi, pas vous. Une seule formule qui vous connaît qui donne résultat, c'est travail. Travail. Et donc, bon travail et passez une bonne journée internationale. Merci beaucoup.